Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormeux, Kozot. Let's go! Internet Friends, la marque de street style, sort sa nouvelle collection. C'est une marque qui se veut originale et dans l'air du temps. Elle est jeune, belle et surtout mature. Internet Friends est une marque pour les gens connectés. Elle a sorti une nouvelle série qui surprendra les amateurs de street fashion. David Nonos, le créateur de la marque Internet Friends, promet qu'une série qui dépasse les attentes satisfera tout type de goût et répondra aux normes des femmes active et moderne. Cette nouvelle série a toujours été dans l'esprit d'être connectée avec la jeunesse et s'appelle Capsule. Le design de cette série est très propre et esquis. Nouvelle vision. C'est une vision complètement différente, faisant entrer la rue dans le mode haut de gamme, dans des lieux non conventionnels ou plus chic. Mais ils veulent aussi faire de cette marque un symbole des élites qui veulent faire oublier un jour ou une nuit costume, chemise ou robe de soirée. De Paris à Londres, les créateurs africains prennent d'assaut la Fashion Week. Les créateurs africains ont attiré l'attention dont ils avaient tant besoin en dévoilant leur collection à indice d'octane élevé pour la prochaine saison lors des semaines de la mode Big Four qui viennent de s'achever. De New York à Londres, de Milan à la Fashion Week de Paris, ces créateurs ont présenté une esthétique audacieuse et des histoires riches de leur nouvelle gamme affichent un engagement réfléchi avec des thèmes africains uniques. La créatrice d'origine nigériane, Joy Meribe, a ouvert la Fashion Week de Milan avec sa première collection de défilés, ce qui en fait un succès concret pour un mouvement visant à promouvoir la diversité dans la mode italienne un an seulement après son lancement. Lors de la Fashion Week de New York, les créateurs Omar Salam, directeur créatif de Sukeina et la marque de mode ghanéenne Studio 189 dirigée par Abrima Erua, ont dévoilé leur nouvelle gamme en vogue. Inspirée par la culture et le style, la marque de mode ghanéenne Studio 189, dirigée par Abrima Erua, a présenté un mariage de couleurs, d'imprimés envoûtants et d'un savoir-faire d'experts exposé à la Fashion Week de New York. Après le succès des défilés, ces marques africaines impriment leur marque unique et ouvrent la voie à un avenir plus exclusif dans la mode qui célèbre et défend l'artisanat, les modes et les designs africains. Retour de la mascarade. À Milan, la designer sud-africaine Sandiso Kumalo a dévoilé une haute vestimentaire résolument féminine au trésor culturel rassemblé à la Jagger African Studio Library du Cap, détruit en avril dernier par un incendie de forêt. Rich Mansi, le designer sud-africain, a présenté sa collection printemps-été 2022 à la Fashion Week de Milan. À l'aide des couleurs vives, des silhouettes expérimentales et d'imprimés abstraits, riches à explorer et exprimer les nuances de la mythologie africaine. Margot Wong Bijoux, la marque burundaise de bijoux de luxe artisanaux, a présenté sa nouvelle collection d'œuvres d'art portable lors de la Fashion Week de Paris à travers l'Ethical Fashion Initiative, un programme qui présente de nouveaux créateurs à un marché international. La marque kényane d'accessoires Germany a également été présentée à la Fashion Week de Paris via Ethical Fashion Initiative. La collection Mungugutti de la marque explore la colonne vertébrale comme une forme organique convaincante, une structure fondamentale et un symbole de l'épine dorsale de la vie. Lors de la Fashion Week de Londres, Olibiyi Thomas a présenté une collection qui explorait les concepts associés aux bénédictions tombant comme une averse, la notion de meilleur dimanche et les pratiques culturelles autour de l'habillement dans la tradition africaine tout en sondant les contrastes et les liens entre les rituels vestimentaires dans d'autres cultures. Kenneth Isé a présenté sa collection saison 2022 à la Fashion Week de Paris. Kenneth a utilisé son tissu traditionnel azoké tissé à la main créé dans une usine qu'il a installée à Ironi. La dernière offre de la marque comprenait des costumes à rayures lumineuses et des vestes à carreaux, des robes longues simples avec des imprimés de tigres ou des franges dorées.
Ensuite, nos looks favoris portés par nos Smart Money Women. La nouvelle série télévisée Netflix, Smart Money Women, est adaptée du roman à succès sur les finances personnalisées écrit par Areze Ugou. Smart Money enregistre les expériences et les luttes de 5 jeunes femmes glamour qui ont travaillé dur pour réussir à Lagos, la plus grande ville de Nigeria, en s'occupant de leur carrière, de leurs finances, de leur amour et de leur amitié. Cette série traite surtout de la culture consumériste de la classe moyenne africaine, des malentendus autour de la gestion financière, des pressions culturelles et sociales et de leur importance dans les vies dites réussies. Dans chaque épisode, vous trouverez des cours sur la gestion financière intelligente pour mieux vous aider à gravir les échelons de la bonne santé financière. Mais s'il y a bien une chose qui nous a fait aimer cette série, c'est l'existence de la mode. En fait, nos Smart Money Women ont du style et de la classe. Tout au long de la série, on voit que leur apparence est à la fois élégante et à la mode, respectant le personnage de Boss Lady. Cerise sur le gâteau, tous les vêtements sont de créateurs nigériens, ce qui était un excellent moyen de promouvoir la mode africaine. Alors, si vous aimez la mode africaine et si vous êtes à la recherche d'inspiration, cet article est pour vous. Source Elsie. Enfin, des conseils capillaires. Comment protéger vos bords? Nos bords, également connus sous le nom de racines des cheveux, sont très fragiles et peuvent facilement se détacher s'ils sont tirés trop fort ou pour d'autres raisons. Les mèches qui encadrent le visage sont plus douces et dans une certaine mesure faibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aussi fortes que les cheveux qui poussent au milieu de la tête. Donc, quand il s'agit de protéger vos bords, c'est très important. En raison de leur état fragile, ils sont plus sujets à la casse et à la chute des cheveux. En plus des problèmes de santé et de la génétique, certains facteurs peuvent entraîner la perte de cheveux, de bords minces ou de bords cheveux des femmes. Ceci inclut un brossage intensif, des styles moulants, des jets d'alcool, un manque d'humidité et aucun oxygène entrant dans la racine des cheveux lorsque vous portez une perruque. Voici donc quelques moyens de protéger votre avantage. Surcoiffage. Évitez le surcoiffage. C'est-à-dire que vous devez vous assurer de ne pas trop tirer ou peigner, surtout lors du coiffage. Les coiffures comme les queues de cheval, y compris tous les cheveux attachés en queue de cheval, peuvent blesser les bords de vos cheveux, surtout s'ils sont trop serrés. Stimulez et hydratez la racine des cheveux, quel que soit votre style. Veillez à assumer et à hydrater la racine des cheveux. Masser la racine des cheveux favorisera la croissance des cheveux et aidera à contrôler les bords. Vous pouvez également favoriser la croissance en hydratant. Gardez à l'esprit que les hydratants les plus efficaces ont de l'eau comme premier ingrédient et n'incluent pas d'huile minérale ou de vaseline. Certains des ingrédients les plus courants comme la vaseline utilisée dans les produits coiffants sont en fait résistants à l'humidité. Choisissez des styles à faible manipulation. Évitez les styles qui tirent vos cheveux trop serrés et aidera à réduire les stress mis sur vos cheveux. Vous pouvez coiffer vos cheveux sans les serrer. Voici quelques styles de manipulation bas mignon. Les coiffures protectrices comme les torsadées plates, les torsadées à deux brins, les torsadées ou les tresses, etc. font des merveilles pour protéger vos bords. En raison de la fragilité de vos bords, ces coiffures protectrices les aideront à grandir et à durer plus longtemps. Utilisez un foulard en soie pour vous coucher. Un foulard en soie est très bon pour les cheveux car il ne resserre pas la racine des cheveux lorsqu'il est noué. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux-Kozos. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.